faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. C'est une joie de voir la tête de cette ONG publiée. Elle a mesuré les difficultés de sa mission. C'est pourquoi, dans un premier temps, va faire implanter une antenne. C'est le seul département de Côte d'Ivoire où il n'y a pas de route publique, où la population ne peut pas se rendre là-bas, ne peut se rendre par exemple à Paris de Mans, une seule fois dans la journée. Vous allez voir les problèmes de produits agricoles sur acheter par exemple à quel prix, parce que la population ne peut pas se déplacer pour aller vendre ce produit. Notre problème essentiel, c'est la route. Et je suis content que notre peuple soit le président chargé de rechercher des finances, parce que c'est le nerf de la République. Et je salue ici les invités de MAC qui sont venus ici pour le lancement des activités de cette ONG. J'ai toujours être sensible en tant que femme aux besoins des femmes, des enfants et des jeunes, et un ONG comme celle-ci, je ne pouvais pas être indifférente. J'ai toujours été sensible à ça. Okay. Voici les hommes, femmes et jeunes de l'ONG Réseau de solidarité pour l'Afrique. Vous êtes l'espoir de l'humanité. Ainsi, en décidant de vous mettre en association, vous devenez forte et dynamique. Et ensemble avec Madame la Présidente Clémence Jolie, mon amie, vous garantissez ainsi votre orientation vers un développement plus stable et un avenir plus radieux par la lutte contre la pauvreté. Cependant, cela ne se fera pas dans la facilité. Oui, cela ne se fera pas dans les nations. Cet avenir, c'est votre avenir, se construira dans le travail et par le travail. Et comme disait un journaliste français, en plein travail. Toujours par le travail, par l'éducation, dans la formation des jeunes, mais aussi dans l'union des forces. Si vous n'êtes pas unis, rien ne se fera. Madame la Présidente, je vous félicite pour votre détermination à améliorer le quotidien de vos membres à travers de la recherche de financement pour la réalisation de vos projets,
la solidarité pour la santé, les prises en charge scolaires des enfants abandonnés. Dans cette tâche, vous aurez toujours mon soutien. À travers la Chambre de commerce et de la portugaise internationale, où vous êtes arrivés, où je suis, où vous êtes arrivés déjà, car ensemble nous pouvons sauver des vies. L'occasion qui nous réunit ce matin est pour nous d'une grande importance, car depuis sa fondation en 1930, Business and Production Women, BPW International, a toujours mis au premier plan et assuré la promotion et l'engagement des femmes à tous les niveaux de la société, aussi bien sur le plan social, culturel, professionnel et économique. Le leadership, la promotion socio-économique, professionnelle et personnelle de la femme au service de la collectivité ne peut s'assurer sans engagement ferme des femmes dans le domaine social. C'est dans ce sens que l'ONG RSA, dans sa grande vision de la lutte contre la pauvreté dans la sous-région, en particulier en Côte d'Ivoire, agit dans tous les milieux les plus sensibles à travers différents domaines d'action. C'est pourquoi BPW International Club Impérial encourage et soutient aujourd'hui l'ONG RSA afin que sa vision ne reste pas un rêve, mais quelque chose qui doit devenir une réalité pour que notre civilisation puisse survivre. Je voudrais surtout vous témoigner ma reconnaissance de la mission de l'ONG RSA pour son engagement et le combat de la lutte contre la pauvreté afin d'œuvrer pour un avenir plein d'espoir et en ce temps difficile que traverse notre société en mutation. Qu'est-ce que l'ONG RSA? Pour apporter une réponse à cette question, je l'ai dit tout à l'heure, je partirai d'une définition d'abord globale concernant la définition générale d'une ONG. Une ONG est tout d'abord une association. Une ONG est une organisation non gouvernementale. Une ONG est une organisation de la société civile et d'intérêt public qui ne révèle ni de l'État ni d'institutions internationales. Une ONG n'a pas de statut de droit du sujet de droit international. Les principaux critères qui définissent donc une ONG sont les suivants. Le but non lucratif de son action, l'indépendance financière et la notion d'intérêt public. Je m'appelle Michel Lemmens, je suis le mari de fondatrice de l'ONG RSA. Et c'est important de nous transmettre le message pourquoi on a créé cette ONG. Et je voulais dire, à base, c'est une observation que ma femme a fait et transmise. C'est, elle a vu dans sa région tellement de pauvreté, et spécialement dans l'hôpital, dans l'accouchement, que la femme accouche et après la maman a décidé, les enfants sont restés à l'hôpital. Il y a tellement de pauvreté, il n'y en a pas un bon système pour recueillir les enfants. Et sont dans ce but, on a pensé, on voulait vraiment réagir, agir pour aider la population. Madame Lemmens, Julie Womblignon, je suis la fondatrice présidente de l'ONG RSA. La pauvreté est tellement énorme, est devenue une épidémie internationale que le monde entier lutte pour l'éradiquer. Et c'est pour ça que l'ONG RSA a été créée, pour participer
aux côtés des grandes organisations à l'élimination de la pauvreté. La pauvreté atteint à un niveau énorme que chacun doit trouver ses techniques, sa manière pour pouvoir participer à l'élimination de la pauvreté. Je lance un appel tout simplement aux hommes de bonne volonté que désormais Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire, est né RSA, Réseau de solidarité pour l'Afrique, pour aider les femmes, les jeunes, les enfants pauvres et abandonnés. Nous vous interpellons à nous supporter, à apporter votre contribution, votre donation, pour qu'ensemble, nous pouvons sauver des vies. Je lance un appel massif à tous les hommes, les femmes, qui sont encore toujours sensibles à la cause de la misère qui sévit dans le monde, à porter un soutien moral, financier à RSA, Réseau de solidarité pour l'Afrique, pour essayer d'apporter son soutien aux plus démunis. Ivoire TV. Ivoire TV.